Dans ce bar parisien, une musique caractéristique. Celle du rythme des shakers qui servent à la préparation des cocktails. Des cocktails avec alcool, mais aussi sans alcool. On les appelle les mocktails et ils s'imposent doucement comme les nouvelles boissons en vogue. Sans forcément boire de l'alcool, mais avoir un sentiment de fraîcheur et d'un travail et d'un savoir-faire qui était réalisé par quelqu'un. Plutôt que prendre simplement un tonic ou un jus de fruits, là il y a vraiment une création qui a été faite et c'est vraiment le cœur et l'expertise qui est faite par nos employés et nos barman. Un mélange d'ingrédients originaux, des compositions recherchées, c'est ce qui séduit les clients. On a goûté plusieurs et moi il y en a un que j'aime beaucoup. Et celui-là, je ne sais pas encore trop ce qu'il y a dedans, mais il est un peu épicé et c'est très bon. J'ai regardé la composition, il y avait des choses assez étonnantes, des herbes, des choses que j'aurais pas associées, bon, qu'on peut retrouver aussi dans des cocktails avec alcool. Mais un mélange de saveurs, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai plutôt regardé la composition avant de voir si c'était avec alcool ou sans alcool et je me suis dit celui-ci, ça pourrait fonctionner. La mode des mocktails en France n'en est encore qu'à ses débuts, comparé au Royaume-Uni. Là-bas, les cocktails sans alcool représentent 20% du chiffre d'affaires des bars.